Salut François. Bonsoir. Lisa, Caroline, Céline, c'est bon de vous voir, de vous lire. Merci Christian, Merci, bonsoir. Christian, bonsoir. Salut. Salut à vous deux, de, de nous, nous deux, deux. <laughs> Nathalie, Lina, bonsoir Lina. Salut, Lina. Louiselle. Louiselle. Allô Fernande. Louisel. Fernande, wow. Liliane, bonjour Liliane. Annie. Allô, Allô Annie. Allô, Pierre, Pierre Suzanne. Suzanne, Cathy, Étienne, les enfants, Etienne, les enfants, oui. Nathalie. Alors, Nathalie? Euh... Il y a quelqu'un qui nous regarde en arrière, oui. <rire> <rire> il, il regarde vous autres aussi. Là. <laughs> Attention, il vous regarde. <rire> euh... <rire> Je ne sais pas si vous entendez bien, juste me confirmer, parce que là, ils ont mis les commentaires en dessous de l'image. Ah, euh, Lucas. Salut, Lucas! intéressant. Coucou. <laughs> Vous nous entendez bien? Répondez quelques-uns. Oui, OK. okay. C'est bon. parce que là, il faut que j'enlève, je ne je verrai plus les commentaires. Là. On verra plus vos commentaires. Ça que... OK. T'as-tu quelque chose à dire? Des prière pour Camille. Ah oui. Euh, un ami, un ami là, de, du Nord, de, des, des les okay. cris de Mistissini. Nord du Québec. Euh, c'est ça, du nord du Québec. Il y a. Zona. Zona dans un œil, risque de perdre son œil. Un chef indien euh, du, dans les cris. On veut prier. Seigneur, on prie pour Kenny. On te demande, Seigneur, de Merci. la guérison dans son œil, dans son corps aussi. Seigneur, Au nom puissant de Jésus, on prie. Amen. Tout de suite. Okay. Amen. 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 OK. Euh, il nous reste. Très peu de place pour la réunion de silence. Si ça vous intéresse, c'est samedi à 2 heures. On va vraiment commencer à 2h. Je sais que des fois, vous avez de la misère à arriver à l'heure. Arriver plus tôt. Arriver plus tôt. On va être là plus tôt. Nous, on, si vous voulez jaser, vous allez avoir du temps. Puis à 2 heures, on commence pour pouvoir terminer à une heure raisonnable. Surtout là qu'il fait noir très tôt. OK. Euh, j'ai commencé à cette passée de parler euh, sur entendre Dieu. On va commencer, euh, continuer dans cette même euh, veine-là. La semaine passée, on a parlé surtout du fait que si on veut entendre Dieu, c'est Lui-même qu'on doit chercher, la personne de Dieu. Euh, excusez ma voix, là, j'ai pris une grippe. Euh, cette semaine, je suis je vers la fin, mais ça endommage ma voix un peu. C'est peut-être ma voix qui mue, là. Peut-être <laughs> je sors de l'adolescence. <laughs> enfin! <laughs> Julien euh, euh, okay. euh, est content. OK. On parlait de chercher la face de Dieu pour, euh, par opposition à sa main, euh, ce qu'il est, pas, pas juste qu est ce qu'il peut faire. Puis on a associé ça aussi avec des relations avec les autres, qu'on n'approche on pas les autres juste pour ce qu'ils peuvent nous apporter, mais plutôt pour eux-mêmes, la personne, la personne de Dieu, la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit, le connaître lui, connaître sa nature. Cette semaine, je veux parler euh, sur. Attendez un petit peu. OK. Aligner nos pensées avec lui. Okay. Pour entendre Dieu, il faut qu'on pense comme lui, finalement. On ait la pensée de Dieu, euh, qu'on soit aligné euh, avec lui. Euh, que. Attendez un petit peu. Ok, tout, tout va bien, je pense. Là. Euh, <coughs> ok, aligner nos pensées avec lui. Euh, puis ça ça va euh, avec le notre père que ta volonté soit faite non pas la mienne mais la tienne euh, aussi euh, donne-nous notre pain quotidien euh, que ce que Dieu apporte nous apporte au quotidien on soit capable de s'aligner là-dessus de penser de vivre de voir comme lui euh. okay. que ta volonté soit faite dans Isaïe 55 8 ça dit euh, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes, mes voix, dit l'Éternel. Ok, Dieu dit, vous ne pensez pas comme moi, puis la façon dont vous marchez, c'est pas comme moi. Ce qu'il faut qu'on saisisse ça avant de commencer, avant d'aller plus loin avec lui, que Dieu ne pense pas comme moi, puis il agit pas comme moi, puis il réfléchit pas comme moi. Donc, il faut que un des deux s'ajuste avec l'autre. Euh, beaucoup parmi nous, on a essayé de que Dieu s'ajuste à nous, à notre façon de penser, à notre façon de faire, à notre façon d'agir. Puis euh, si vous l'avez essayé, vous êtes sûrement rendu compte que ça ne fonctionne pas. Euh, dans la relation, euh, le, le Seigneur, c'est lui. Ce n'est pas moi, là. C'est vraiment le Seigneur, c'est lui. Puis il faut que je m'aligne avec ça cette pensée là que lui est Seigneur moi je suis Donc, mettons on pourrait dire mon but ultime c'est de devenir son ami peut-être au départ je suis son serviteur euh, à mesure que la relation mature je deviens son ami ok ça fait qu'on cherche à être ami de Dieu mais euh, on pourrait dire que dans la relation l'adulte c'est lui qui euh, ça, ça c'est vraiment important qu'on on, on, ça soit ancré dans notre cœur, cette compréhension-là. Si on approche Dieu en, en, comme si on était égal avec lui, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, son nom, c'est Seigneur. Son nom, c'est Dieu. Le Tout-Puissant, c'est lui. Ce n'est pas nous. C'est qu'il y a une relation là, qui n'est pas euh, horizontale, on pourrait dire, c'est plutôt euh, verticale. Euh, est-ce que ça m'empêche d'être l'ami de Dieu? Non. Est-ce que on, je peux être familier avec lui? Est-ce qu'on peut avoir une relation d'affection, d'amour, de, de tendresse ensemble? La réponse est oui. Mais je dois toujours garder l'esprit que le, le Seigneur, c'est lui. Là. Okay? Euh, dans Romains 12, 2, ça dit Ne vous conformez pas au siècle présent. Si on parle ici d'aligner notre pensée avec lui le, dans le monde dans lequel on vit, à notre époque. Dans notre société, parce qu'il y a différentes sociétés dans le monde, ça pense différemment. Euh, on a eu l'occasion de voyager quand même pas mal là, depuis quelques années. Puis, dépendamment où est-ce qu'on va, dépendamment euh, dans, dans quelle sphère de la société on est, dans différentes places, les gens ne pensent pas pareil. Ils ne voient pas le monde. Leur vision du monde est différente. Puis, l'océan lui dit "Ben Moi, je ne suis, je pense pas comme vous. Okay? « Mes pensées, c'est pas vos pensées. » Là, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent dans Romains 12.2. » Ça veut dire que le siècle dans lequel on vit, il y a une conformité. Hein? On voit là, depuis deux ans, surtout, là, euh, il y a une espèce de bouchon qui essaie d'être mis sur tout ce qui pense différemment que nos auto-proclamées élites. Mm -hmm. <laughs> Ceux qui dirigent, ils veulent qu'on pense tous de la même façon. Bon, premièrement, c'est ça n'est pas la pensée de Dieu. Euh, Dieu il désire. Euh, on pourrait dire que l'humain c'est le joyau de la création. Quand Dieu euh, la dernière chose que Dieu a créée c'est les humains. Si vous pensez que toutes les flocons de neige il n'y en a aucun qui sont pareils depuis neige depuis le, le début des temps jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucun flocon de neige qui est identique à un autre. Les feuilles des arbres c'est pareil. Il n'y a aucun arbre ni feuilles qui sont identiques. C'est jamais arrivé, ça. C'est que si nous, on est le joyau de la création, de penser qu'on devrait être tous identiques, ça va contrairement à ce que Dieu a créé. Dieu a créé une diversité euh, qu'on ne peut même pas saisir. Que de la pensée unique, ça ne vient pas de Dieu. Euh, il faut qu'il y ait une diversité. Si on est dans une église puis que tout le monde pense euh, la, de la même façon, on doit se méfier, c'est une secte. Si tout le, monde, tout le monde dans un groupe pense de la même façon, on est dans une secte. C'est est clair. Est-ce que le fait qu'on pense différemment, ça devrait nous séparer? La réponse est non, ça devrait nous unir encore davantage. Puis on a déjà discuté là-dessus, on n'est pas ensemble parce qu'on pense de la même façon, on est ensemble parce que Dieu nous a appelés à être ensemble. Puis tant que Dieu n'a pas changé d'idée sur où est-ce qu'on doit être, on devrait s'attacher à, à être là, puis euh, euh, faire partie de la croissance de, 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 de l'entité dans laquelle on est, que ce soit une famille, que ce soit une église, une compagnie, euh, une société, un village, une, une ville. Euh, Dieu vous a placé à un endroit, à une époque, avec vos différences, pour faire la différence. Non pas pour se conformer, ok. Euh, bon, est-ce que ça veut dire qu'on est des activistes qui veulent tout brûler? Non. Je peux avoir une pensée différente puis l'amener de façon constructive. Ok, euh, je pense que Jésus nous a démontré ça. Quand euh, un des apôtres a essayé de le défendre avec un épée, Jésus il dit: Regarde, si je suis mal pris, je peux appeler une légion d'anges pour me défendre. Euh, ça, ça veut dire qu'il aurait pu détruire tout le monde qu'il avait là. là. Il ne l'a pas fait, même quand il avait le pouvoir de le faire, bien, il nous enseigne une façon d'agir. Que nous, on ne doit pas être des gens qui euh, euh, essayent d'imposer notre volonté par la violence. Ça, c'est notre modèle, c'est Jésus, c'est ça qu'il a fait. Okay? Il continue en disant, ne vous conformez pas aussi que le présent. Il bon, faut faire attention de prendre l'évangile et essayer de l'adapter à notre façon de faire, de prendre la pensée de Dieu puis l'aligner avec la pensée du monde, puis essayer de faire un mélange des deux pour pas offenser personne, pour pas avoir l'air trop différent. Euh, non, l'évangile est, est comme coulé dans le ciment, on pourrait dire, d'une certaine façon. Puis la pensée de Dieu. Quand Dieu a, a, a créé le monde, il voyait le début puis la fin. Ça qu'il ne change pas d'idée euh, parce que le, le monde dans lequel on vit change d'idée. Okay? L'Évangile, euh, euh, comment je dirais, le message de l'Évangile ne change pas. La façon dont on l'amène peut changer, mais le message ne lui change pas. Puis on ne peut pas dire, ben, on va l'adapter avec notre société moderne. Notre société moderne est dans la confusion, dans un niveau qu'on a, je pense, presque jamais vu. Là. On ne peut pas s'aligner avec la confusion là. Euh, il y en a assez de monde confus autour de nous. On n'a pas besoin de plus. Là. OK, ça, ça c'est clair. Ne vous conformez pas au cycle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bon, si j'ai besoin d'être transformé dans mon intelligence, si je veux penser comme Dieu, si je veux avoir la pensée de Dieu, j'ai besoin d'un renouvellement, d'être transformé, parce que quand je viens au Seigneur, je, je traîne un bagage de, de, de penser qui n'est pas aligné avec lui, qui n'est pas en, en conformité avec lui, puis c'est ça qui doit se, se dans le fond, euh, disparaître de moi pour m'attacher, puis euh, me conformer à la pensée de Dieu. Euh, <coughs> Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Okay? Pour discerner la volonté de Dieu, j'ai besoin de ne pas me conformer, puis d'être transformé. Ça veut dire que je dois sortir de ma façon de penser, ne pas se conformer. Ça veut dire que je dois sortir du peloton, peut-être euh, aller contre le courant. Il euh, y a un courant actuellement dans le monde là, qui nous pousse vers euh, la damnation, si on peut dire. Pardon L'anarchie. Oui, l'anarchie, entre autres. Là. Mm -hmm. Puis on doit, dans le fond, aller contre le courant, puis on doit aussi être transformé. Ça veut dire. Je vais contre le courant, mais pas simplement pour aller contre le courant. Là, a, tu sais, comme euh, euh, certaines personnes, ou des fois dans l'enfance, si on dit à un enfant blanc, il va dire noir, puis si on dit lève-toi, il va se coucher. Il y en a qui sont encore dans l'enfance qui font la même chose. Si on lui dit de faire quelque chose, ils vont nécessairement faire le contraire. Euh, puis c'est pour ça qu'on a besoin d'être transformé. Parce qu'on veut s'aligner avec la pensée de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'intellect. C'est euh, notre façon de penser, notre façon de, de diriger nos vies. Ça, ça doit être transformé afin de discerner, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si je ne suis pas transformé, je ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Donc, je peux pas. Même si j'entends sa voix, on parle d'entendre Dieu, là, je ne comprends pas son langage. Parce que ma pensée n'est pas conforme à la sienne. Euh, puis là, il faut que, comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas lui à se conformer à moi. Parce que le, le perdu dans les deux, c'est pas lui, c'est moi. Mm -hmm. C'est moi qui ai perdu, c'est moi qui ai besoin d'être sauvé. C'est moi qui ai besoin d'un sauveur. C'est Jésus qui n'a pas besoin d'un sauveur. C'est moi qui ai besoin d'un sauveur. C'est qu'il faut que moi, je, je sois transformé. Parce que sinon, je n'arriverai pas à discerner la volonté de Dieu. Puis même si Dieu va me parler clairement, euh, je ne comprendrai pas. Puis mes actions iront pas en ligne avec ce qu'il ce qui demande. Là. Puis ça, on, on, on l'a vu dans notre vie à maintes reprises où est-ce que Dieu nous parlait des choses claires, puis on ne comprenait pas ce qu'il disait. Puis des fois, après coup, on s'est rendu ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah là, je comprends. Pourquoi qu'il... Il ne voulait pas que je fasse ça, ou il ne voulait pas que j'aille là, ou il voulait que j'aille là. Euh, là, je comprends. Mais parce que j'étais incapable, je, je n'étais pas transformé, je ne pouvais pas discerner, puis comprendre, puis finalement obéir. Euh, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Okay? Si je discerne la volonté de Dieu, je vais découvrir ce qui est bon, agréable et parfait. Ces trois choses-là, bon, agréable et parfait, euh, quand c'est moi qui décide ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, d'habitude ça mène à un genre de désastre. C'est que c'est Dieu qui décide ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. C'est pas moi. Puis là, c'est important que je revienne en arrière, que je sois transformé, sinon moi je vais me faire ma propre liste de ce qui est bon. D'habitude, ce qui est bon dans ma vie, c'est toujours euh, euh, tourner vers moi. La saveur du jour. <laughs> oui, la saveur du jour, puis euh, pour mm -hmm. mon bonheur personnel. Mm -hmm. hein? euh, moi, moi, moi. Euh, après ça, ce qui est agréable, ben, « je, Seigneur, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être contrarié. Je veux euh, la baguette magique. Je veux être transformé sans effort, sans douleur. » Après mm -hmm. ça, ce qui est parfait, ben, ce qui est parfait, c'est ce qui vient de Dieu. Là. OK euh, puis qu'on qu puisse le discerner, ça, ça prend une transformation. <laughs> OK, dans Acte 1, 4, Jésus euh, est sur le point de partir, de s'en aller au ciel. Sa dernière rencontre avec les disciples, ça dit ceci, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. » Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Okay? Là, on voit Jésus, il, il, quand même, il lui donne une directive assez clair. Il leur dit attendez ce que je vous ai annoncé. Je vous ai dit quelque chose, je vous ai annoncé quelque chose euh, auquel vous devez attendre. Hein? Là, il dit c'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit je vais vous envoyer le Saint-Esprit, mais là, il faut vous attendre que je l'envoie quand même assez clair comme euh, directive, là, ces deux, deux phrases un peu plus. Là. Euh, puis qu'est-ce qu'ils font Immédiatement, les autres, ils disent, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu ré rétabliras le royaume d'Israël Les autres, ils partent sur un autre, dans une autre direction immédiatement. Mm. Euh, après, Jésus vient leur dire, allez, allez à Jérusalem, puis restez, attendez le Saint-Esprit. Puis, dans le fond, le Saint-Esprit, quand tu es chrétien, là, le plus beau cadeau que tu reçois dans ta vie, à part du salut, c'est le Saint-Esprit. Puis, eux autres, immédiatement, ils détournent la conversation. Puis, là, qu'est-ce qu'ils voient Parce que les Juifs, à l'époque de Jésus, ils étaient dominés par les Romains. Puis, leur espoir, c'était que les Romains vont être renversés. Hein? Ils vont chasser les Romains, puis le royaume d'Israël comme à l'époque de David, va être restauré. Puis, il voyait dans Jésus euh, le, le leader de guerre qui va renverser les Romains, puis qui va rétablir un, le royaume d'Israël. Puis, cachons-nous pas, là, euh, les apôtres se voyaient déjà euh, ministre des Finances, euh, ministre de, de la Guerre, ministre de la Justice, euh, député ou euh, prince ou vice-président, <laughs> Vice c'est ça. Ils se voyaient déjà là. On voit qu'il y a un débat un petit, un petit peu avant ça... Euh, entre eux, savoir qui est le plus grand. Quand tu débats qui est le plus grand, puis qu'il y a des positions dans un gouvernement, tu ne cherches pas à être en bas à passer le balai. Hein. Tu cherches à être en haut, dans la chaise rouge. Euh, OK. Ce qui, euh, ce qui nous préoccupe, c'est plus important que ce que toi, tu veux faire. Notre plan devrait passer avant le tien, Seigneur. C'est ça que les disciples font, là. Là, on voit que leur pensée n'est pas alignée avec celle-là de Dieu. Parce que Jésus les a déjà avertis qu'il n'était pas venu pour renverser les Romains, il était venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu comme un roi, il est venu comme l'agneau. L'agneau de Dieu. Okay, il, il revient comme roi à la fin des temps, mais pas, pas à cette époque-là. Puis là, eux autres disent C'est-tu à ce moment-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël Quand je vous dis, avaient, eux avaient des pensées en arrière de ça, de. de, de de monter dans la hiérarchie euh, puis on, on se demandait quand est-ce qu'eux vont régner. C'était plus ça leur pensée. Puis nous souvent quand on prie, quand on, on, on approche Dieu, on a un peu cette même mentalité là. Le Seigneur veut nous donner quelque chose d'extraordinaire, puis nous c'est pas ça qu'on veut. On veut d'autres choses qui est, euh, est aligné avec notre pensée finalement. Eux autres, c'est un royaume. Nous autres, c'est peut-être euh... toutes sortes de choses qu'on veut. Guérison. Une guérison, une maison, une épouse, un époux, un nouvel emploi. Euh, gagner le million. Euh... Euh... Mm. Ouais, je n'étendrai pas là-dessus. <laughs> Mais euh... Euh... <laughs> je vais gagner le million, puis je vais donner 10 au Seigneur, puis je vais garder 90%. <laughs> Mais c'est pour toi, Seigneur, que je veux ça. <laughs> euh... Je ne pense pas à moi dans, cette, dans ça. Non, non, non. non. Euh, OK. Euh, là, on voit dans ça qu'immédiatement, il détourne ce que Jésus vient de leur dire. Puis là, Jésus est obligé de revenir. Puis il dit, au verset 7, il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Dans le fond, il lui dit, Polymètre, de se mêler de leurs affaires parce que ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Puis ça c'est important. Si on cherche à entendre Dieu, à chercher sa volonté, de ne pas détourner la, la, la conversation, puis d'essayer de comprendre ce qui ne nous a pas été révélé encore. Quand Dieu veut qu'on comprenne quelque chose, il nous le révèle. Puis le reste du temps, c'est pour ça que si on dit que tu marches par la foi. Marcher par la foi. La, marcher par la foi, c'est croire sans voir. Ok? Puis là, eux autres, c'est ça que Jésus leur dit. C'est pas à vous. Cette partie-là de la révélation, elle vous appartient pas. Vous n'avez pas besoin de, de, de savoir les détails de ça. Vos yeux euh, doivent être ailleurs. Euh, puis là, il revient. Il ramène la conversation sur ce que lui avait trouvé important. Là. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Okay? Eux autres, ils veulent être roi. Puis le mot témoin, je pense, que je vous l'ai dit l'autre semaine, le mot témoin, c'est martyr. C'est le même mot. Okay? nous martyrs, ça veut dire quelqu'un qui se fait persécuter là. Mais dans la Bible, ça parle de témoin, quelqu'un qui est envoyé, qui représente un autre. Dans ce cas-là, représente Dieu. Okay? ce que imaginez-vous qu'il y avait pas les, la même pensée. Les autres voulaient être un roi. Puis Jésus veut qu'il soient des martyrs. Euh, <laughs> euh, c'est ça, il veut qu'il soit témoin de de l'évangile. Il dit Vous serez mes témoins. ok? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, cette parole-là, on peut dire qu'à cet jusqu'à nous, parce qu'on sait que les disciples sont pas allés aux extrémités de la terre, c'est nous. Euh, à notre époque, où est-ce que Jésus euh, est prêché partout dans le monde? L'autre okay. chose qui est importante, si on veut euh, marcher avec Dieu, il faut être capable d'attendre. Puis là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ne pas s'éloigner, acte 1, 4, puis attendre. Attendre le Saint-Esprit. Pourquoi attendre le Saint-Esprit? Parce que si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne peux pas être transformé. C'est impossible. Puis, ah, si je ne suis pas transformé, je ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Puis, si je ne discerne pas la volonté de Dieu, comment je fais pour obéir? C'est impossible. C'est une chaîne d'événements qui doivent être ligne. Le premier événement, c'est d'attendre. Dans, dans le cas, eux, ils disent Attends le Saint-Esprit. Pourquoi il va te donner une puissance? Bon, nous, souvent, on veut la puissance pour faire des miracles, tout ça. Mais tu sais, la puissance, cette puissance-là est premièrement pour me transformer pour que ma pensée soit alignée avec la pensée de Dieu. Parce que si je ne m'aligne pas avec sa pensée, euh, je ne suis pas très, très efficace dans son royaume euh, parce que je n'entends pas ce qu'il dit. Je ne peux pas suivre directive. Il dit, vous serez mes témoins. Euh, je vais vous envoyer. Euh, les apôtres, ça veut dire envoyer. Vous allez être mes serviteurs. Vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre, euh, faire ce que je vous ai demandé. Il y a une autre place qui dit le Père a préparé des œuvres d'avance pour nous. Ces œuvres-là sont, sont rarement alignées avec ma pensée ou ma façon de voir le monde. C'est très rare. C'est qu'il faut que euh, je comprenne ça pour pouvoir marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour moi. OK. Il y a une autre histoire, c'est dans 1 Samuel, chapitre 13. Okay. Il y a un roi qui s'appelle Saül. Dieu appelle Saül pour être roi, devient roi. Puis là, il est en guerre avec les Philistins. Les Philistins, c'est un, euh, un autre peuple, finalement. Il est en guerre avec eux. Puis là, ils sont sur le bord d'une bataille. Puis lui, il a reçu une directive. On parle encore de directive, puis parle encore d'obéissance. Puis on parle encore aussi d'attente. Il y a soit une directive de dire, attends avant d'aller à la guerre que j'arrive. C'est Samuel, le prophète, qui dit, attends que j'arrive pour faire le sacrifice. Okay? Il, a un, il offre un sacrifice à Dieu, c'est dans l'Ancien Testament, pour, euh, on pourrait dire, chercher la faveur de Dieu. On peut dire ça, là, en résumé. Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, Samuel ne semble pas être pressé d'arriver. Saül commence à, un peu à paniquer, à, à avoir peur. Il y a deux choses qui se passent, ses ennemis s'assemblent, puis son peuple se disperse. Et quand tu es c'est guerre, ce n'est pas une bonne image. Là. Il y a de plus en plus d'ennemis, puis as moins, de moins en moins de soldats. Qu'est-ce qu qui fait Il panique puis là, il, il décide de son propre chef de dire, je vais le faire, moi le sacrifice. Puis si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que le, les gens qui devaient faire les sacrifices, c'était un certain, une certaine famille, les Lévites. Mm -hmm. Puis il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire ça. C'était vraiment eux qui étaient assignés à ça. Puis c'était les règles, c'était encore là. C'était Dieu qui avait dicté ces règles-là. Puis, ce n'était pas aux humains à dire ben, moi, je vais changer les règles parce qu'aujourd'hui, je fait mon affaire. Euh, ou parce qu'aujourd'hui, je, je suis en mode panique, c'est que je vais changer les règles. Puis, qu'est-ce qu'il fait Il fait le sacrifice lui-même. Puis, au moment qu'il est en train de faire le sacrifice, euh, sa, euh, Samuel arrive. Ça, c'est euh, un petit peu Merci. verset 11. Samuel dit Qu'as-tu fait Samuel répondit Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas et que les Philistins étaient assemblés à, à Mishmak. Ok, il voit ce que je vous ai dit son peuple, ses soldats s'en vont, puis les autres s'assemblent. Je me suis dit Je me suis dit. Ça, c'est important. Ok ça, ça ne venait pas de Dieu. Ce pas Dieu m'a dit, ou euh, j'ai prié, ou j'ai consulté l'Éternel. C'est « Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, je n'ai pas imploré l'Éternel. » Il pouvait implorer l'Éternel sans faire un sacrifice. Là. OK. « C'est alors que je me suis fait violence, et j'ai offert l'Holocauste. » OK. Là, il essaie de, de se justifier, finalement, de dire, « ben j'ai fait ce qui devait être fait, parce que les personnes qui devaient le faire n'étaient pas donc c'est la faute de toi si tu es arrivé en retard, c'est ça. <laughs> hein? Mais ça <laughs> n'est pas arriver en retard, là, il est arrivé juste au moment où ce que lui faisait le sacrifice. Mm. Donc s'il attendu quelques, mettons, minutes ou heures, et, et l'autre aurait arrivé à temps. Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. D'où l'importance d'être renouvelé, de d'être transformé, de discerner. Là. On voit tout ça, c'est tout attaché là, euh, à avoir le Saint-Esprit pour nous être transformés, être capable de comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lui, euh, il a, dans le fond, il a fait à sa tête, là, comme trop souvent nous on fait. Puis après ça, on dit Seigneur, sors-moi de mon trou, je suis mal pris, euh, je n'arrive pas à m'en sortir. Bon. Ça continue en. Verset 13, « Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandant de l'Éternel, ton Dieu, que, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura, aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. » Lui, il est jugé extrêmement sévère parce qu'il a désobéi. Puis ça, ben, je comprends qu'on dit, nous autres, on est sous la grâce. Là. Puis ça, c'est vrai, là. Mais la grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Bon, il ne faut pas faire exprès pour ne pas la mériter. Puis il ne faut pas non plus euh, désobéir euh, de, de façon euh, constante dans, juste par le fait qu'on est sous la grâce. Parce qu'ici, on voit que lui, dans le fond, il était disqualifié de la position d'autorité qu'il avait parce qu'il n'a pas obéi à, à ce que Dieu avait demandé. Là. Puis nous. Euh, quand on désobéit, il y a des, y a des conséquences. Soit c'est nous qui payons les conséquences, soit c'est les gens autour de nous. Euh, il, y a, il y a toujours des conséquences. Oui, Dieu pardonne. Oui, sa grâce est agissante envers nous. Oui, le sang de Jésus me lave de tout péché. Mais ça n'enlève pas euh, nécessairement les conséquences de ce que je fais là. C'est important qu'on s'aligne avec la pensée de Dieu justement pour que on ne fasse pas comme lui. Puis arriver à une place où est-ce qu'on peut perdre ce que Dieu nous avait promis de faire. Vous comprenez que si, mettons, Dieu m'appelle à l'âge de 20 ans, puis que moi, je me détourne pendant 20 ans ou 30 ans, bien, ces 30 années-là sont perdues. Là. Même si au bout de 30 ans, je reviens au Seigneur, j'ai quand même perdu 30 ans. Là. Puis, il y a plein d'œuvres, de miracles, de choses extraordinaires qui ne se sont pas arrivées parce que moi j'ai désobéi. C'est que de, de penser que désobéir, as juste à aller à la confesse le, le samedi soir, mm. euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Là. Les conséquences sont là, puis dans certains cas, c'est grave parce qu'on on, on est peut-être appelé à être une place bien précise pour amener quelqu'un au Seigneur pour son salut, puis on ne l'a pas faite. Puis il y a beaucoup, beaucoup de, de, de l'œuvre de Dieu qui s'est pas faite au travers les années parce que des gens ont désobéi. Mm. Puis euh, euh, ça, on est témoin dans nos propres vies mm. de choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites. Euh, des fois, c'est parce qu'on n'entendait on pas la voix de Dieu, parce que notre intelligence n'était pas euh, euh, transformée. Parce qu'on ne pensait pas comme Dieu, on pensait pour nous-mêmes. Puis ce que ça fait, c'est que je ne peux pas entrer dans la pensée de Dieu si moi j'ai ma pensée aux côtés. Là. Ça ne marche pas, L'importance de s'aligner avec sa pensée. OK. Dans 1 Samuel 15, 22, c'est un petit peu plus loin dans le livre de Samuel, ça dit. Samuel dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Okay? Même si on demande pardon puis on fait des sacrifices, bon, on comprend là, que nous, non, on ne fait pas des sacrifices comme dans l'Ancien Testament, mais des fois on en fait pareil parce qu'il y a toute une culture dans la religion, la religion chrétienne, là, que ce soit protestant ou catholique ou évangélique. De, de sacrifices qu'on s'est inventés pour euh, pallier au fait qu'on n'obéit pas. OK? Chez, euh, mettons, les catholiques, euh, je vais aller monter les marches de l'oratoire à genoux. Chez les protestants, je vais donner plus d'argent, je vais jeûner, je vais prier, euh, je vais aller évangéliser, je vais faire. Puis, on ne le fait pas par obéissance, on le fait comme un sacrifice pour pallier au fait qu'on n'a pas obéi. Ce que. Euh, puis lui, il dit Dieu. « Il est mieux que tu obéisses que tu fasses un sacrifice. Que tu demandes pardon, c'est mieux d'obéir que de demander pardon. Bon, » Je pense que c'est assez facile à comprendre ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Okay? Les, les béliers qui, fe, qui faisaient brûler dans le temple à l'époque de l'Ancien Testament. Et la, souvent, comme je vous dis, la religion est construite à partir des sacrifices. Soit les sacrifices sont là pour pallier au fait qu'on n'a pas obéi, ou les sacrifices sont là pour manipuler Dieu pour qu'il il aligne sa volonté à la mienne. Comme si je peux manipuler Dieu. C'est un peu prétentieux, là. Euh, je peux manipuler euh, Julienne, là, peut-être, mm -hmm. malgré qu'elle est rendue pas mal aiguisée, là, mais... <laughs> Elle connaît tous mes trucs. Mais, mais Dieu, je ne peux pas, là. Je peux pas manipuler Dieu. C'est impossible. Euh, C'est qu important qu'on comprenne ça. Euh, si on veut s'aligner avec sa pensée, il ne peut pas avoir de, de manipulation par des sacrifices, ni de sacrifice pour con, euh, compenser la désobéissance. Okay. Si vous désobéissez, bien demandez pardon. Jésus est mort à la croix pour ça. Mais ne vivez pas dans la désobéissance. Parce que les conséquences sont là. là. Puis, euh, <coughs> Dieu ne nous a pas appelés à ça. OK. Là, on voit aussi que dans le cas des disciples, si euh, eux autres, ils ne peuvent pas attendre pour euh, que le royaume d'Israël soit restauré ils sont impatients. Euh, Saül, c'est vraiment l'image de l'homme impatient. Il y a une autre place qui fait un peu la même chose, là, un petit peu plus loin, là, euh, qui attend pas, puis il décide lui-même de faire les choses sans en, en désobéissance à Dieu. Puis, euh, qu'est-ce qui manque dans ça, c'est la patience. <coughs> Excusez-moi. Euh, puis je vais finir avec ça. Là. Dans nombre 12, 3. Ici, ça parle de Moïse, ça dit « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Quand il parle de Moïse, il, il parle de Moïse comme un, un homme qui était patient plus que tout le monde qui était là. Puis si on regarde l'œuvre de Moïse, euh, à part Jésus, on pourrait dire que l'œuvre de Moïse est la plus importante dans la Bible. J'aimerais ça qu'on termine par la prière. Pour que Dieu nous donne la patience, si possible, comme Moïse, là. pour qu'on puisse euh, attendre ce que Dieu a à faire. Je prie aussi que, on se conforme, qu on, que notre esprit soit tra transformé pour qu'on puisse discerner. Okay? Puis ça, mais. La transformation, cette transformation-là, si je pense à, à nous, ça s'est fait sur une période de 40 ans. <laughs> 40 ans. Euh, et puis c'est encore un en processus. Et Donc, et encore. Est pas, on n'est pas arrivé à la fin de ça. Mais euh, ce que l'idée que je vais avoir la, la patience puis l'illumination du discernement par l'imposition des mains d'une personne, mm -hmm. euh, ça ne marche pas comme ça. C'est une vie de transformation euh, qui, où est-ce que ma nature se, disparaît peu à peu. Puis, vous voyez là, en arrière de moi, là, on voit la croix qui est là. C'est l'œuvre de la croix. C'est ça qui m'amène à être transformé. Là. OK. Seigneur, je te prie que tu puisses nous euh, donner la grâce, Seigneur, d'être transformé euh, par la puissance de ton esprit. Euh, afin que notre pensée puisse être alignée avec la tienne. Seigneur, de nous, Seigneur, de discerner, c'est quoi ta volonté Que ce que tu, toi, tu déclares, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je te demande pardon parce qu'on a mis nos, notre liste de ce qui est bon, agréable et parfait avant la tienne. Et ce on veut revenir à toi, on veut s'aligner avec ta volonté, que ta volonté soit faite. Euh, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous donner la patience, d'attendre euh, ton euh, timing, si je peux dire, euh, pour euh, l'accomplissement de ta volonté dans nos vies, Seigneur. Qu'on ne court pas en avant de toi, puis non plus qu'on traîne derrière toi, Seigneur. Qu'on marche euh, côte à côte avec toi. Qu'on apprends-nous, Seigneur, à marcher au quotidien avec toi, Seigneur. Euh, puis, Seigneur, qu'on ne détourne pas euh, la conversation quand tu nous parles. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de chérir, de chercher ce qui est important, ce qui compte vraiment pour toi. Amen. 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 T'avais-tu quelque chose? À... Euh, J'ai juste une chose à ajouter. Quand on, on parle de l'acte des apôtres, Jésus leur dit attendez. At en disant attendez, ça veut dire que ça prend un peu de patience. On parle de temps. Mais voyez que les disciples, tout de suite, le verset suivant, Demande, euh, euh, c'est tout verset, dans, dans combien de temps est-ce que le royaume sera rétabli? Quand on parle de temps, on parle de patience. Eux, ils sont impatients. Alors que Jésus disait, attendez, les autres, ils veulent du temps. Le temps tout de suite, rapide, plus vite, c'est trop long. Voyez-vous l'impatience, là, juste à ce verset-là? Puis Jésus dit d'attendre. Donc, je pense que ça nous parle au niveau de la patience, qui est un fruit de l'esprit. C'est un des neuf fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Alors, c'est ça que je voulais retenir, qu'ils sont aussi impatients que nous, on l'est. On a hâte que Dieu agisse, un réveil, une touche de Dieu, un nouveau mouvement. Est-ce qu'on est prêt à attendre en patience, attendre le secours de l'Éternel, attendre le temps de Dieu? Amen. 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 Merci d'être là. Soyez bénis. Bonne semaine. Vu qu'ils ont changé la position de l'écran, je ne peux pas voir vos commentaires. Je vais les regarder après. Là. Mm -hmm. Mais, soyez bénis. Bonne semaine. Merci. Merci d'être là. Merci. merci.